dit. Mon arrestation aux douanes des États-Unis, réel, m'a inspiré cette chanson qui s'appelle Ogunquit. Toute la nuit, j'ai couru bourré, de troquet en troquet, quand soudain, le frère André m'apparaît. Du coup, moi, j'en profite pour lui demander si Ogunquit, c'est une bonne place pour manger des hot dogs. L'automaturge acquiesce, fait que je traverse tous les cantons de l'Est vers les lignes par la famine emportée. Arrivé à la douane, je lance un pet qui sort de la boucane et toutes les grosses polices rient d'un rire de bœuf. Un des deux, à grosse main poilue, curieux de voir mes deux, une belle grosse couille, charge tes longs douanettes de me soumettre à la fouille. Il pointe comme un furet pour enfin trouver dans ma raie un joint de pote qui s'y faisait macérer. Profitant de ce qu'elle veut, avec la tête entre mes deux cuisses, j'en lâche un, lui me rend un rapport de police. Et le monde carcéral me parut soudain si rural. J'étais bien, l'amour revenait dans ma ville. Et les deux chantèrent, all I need is a pick-up truck, a dog and a chainsaw, a chalet on the highway 87. A shiny mustache cutter, bullets in my gun, and a home delivered bucket of fried chicken. Ce n'est pas sans une larme que j'ai quitté la poste de douane où j'avais passé de si bons moments. Je suis rentré à la maison par toutes sortes de pistes de ski de fond en chantant fort et mal mon beau sapin. Depuis ce jour, mes amis, je suis barré aux États-Unis où Danny Monette descend de temps en temps. Il me reste pour me consoler mes vieux albums de Paul Pichet et le village québécois d'antan, ainsi que cette chanson All I Need. It's a pick-up truck, a dog and a chainsaw, a chalet on the highway 87. A shiny mustache cutter, bullets in my gun, and a home-delivered bucket of fried chicken. Home-delivered bucket of fried chicken. Wow! Wow! Run to the hills. Bon, OK. Je sais pas pourquoi j'avais ça dans la tête, mais, messieurs, dames, je vous annonce que ça va être la dernière chanson du spectacle qui va commencer. Ben, pas du spectacle. La dernière chanson de la première partie avant la pause drogue. Alors, cette dernière chanson s'appelle La chute du Huard. C'est un vieux succès souvenir. C'est une vieille chanson que j'ai écrite en 1998 au moment où je faisais des chroniques de chansons d'actualité à la radio. En 1998, au mois de septembre, il est arrivé un événement dans l'actualité économique du Québec et du Canada. C'est que le dollar canadien a chuté sous la barre des 65 cents américains. C'était la première fois de l'histoire que le dollar canadien descendait aussi bas. Et je me suis dit, si le dollar canadien est capable de descendre bas de même, mon oncle Serge aussi est capable de descendre très bas. Alors, j'ai écrit à cette occasion la chanson la plus basse et la plus vile que je n'avais jamais écrite de ma vie, et ça s'appelle donc La chute du Huard. Bon, en l'écoutant, vous allez voir que j'ai fait bien pire que ça depuis, mais bon, prenez ça comme la preuve vivante que tout record est fait pour être dépassé. Mon oncle Serge, un bel exemple de dépassement de soi! André
Montmorency et les chutes Montmorency n'ont pas plus rapport que Patrick Huard et la chute du Huard. Et Thérèse est une baquesse qui se fout que le dollar baisse. Alors je baisse, mais il baisse et baisse, cette baquesse et baisse. Mais dès que ma semence, on dit que Léon doit serrer, je repense au dollar et je panique soudain. J'ai beau essayer de l'oublier dans le sexe, rien à faire, la chute du dollar me laisse toujours perplexe. Alors je cours au bureau de change, et en moins d'un quart d'heure, je change comme des valeurs pour ta...